Tiendra
À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Restera dans l'histoire comme l'un des plus mémorables du XXIe siècle. Massif et déterminé, ces manifestations, ces actions intersyndicales, ces grèves et ces débrayages sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le président de la République et son entêtement incompréhensible. L'intersyndicale réaffirme que, contrairement aux propos du président de la République, de nombreuses alternatives aux mesures d'âge ont été formulées par les syndicats. Aucune n'a été sérieusement étudiée car elle touche au capital. La responsabilité de la situation explosive n'incombe donc pas aux organisations syndicales. Tout ce qui a été jusqu'à présent organisé s'est fait de manière pacifique et vous en êtes les témoins. Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, le mouvement social et syndical confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme. À l'issue d'un parcours parlementaire chaotique, au cours duquel le gouvernement a utilisé tous les outils constitutionnels à sa disposition permettant de limiter l'exercice démocratique, et son expression doit se poursuivre. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et de travailleuses, les jeunes et les retraités, à continuer de se mobiliser dans les jours à venir. L'intersyndicale se réunira ce mardi 28 mars. Thank you.